Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un thème assez particulier, le thème de la sécurité. J'ai reçu un colis de la marque Zossi qui m'a envoyé un système de vidéosurveillance 4K, vous allez voir juste ici. Le colis est très gros et ce colis a plein d'avantages. En gros, le serveur vidéo se trouvera chez moi, je pourrai enregistrer sur un disque dur depuis chez moi. Autant vous dire que là, au niveau de la protection des données, on est au top. Et on est surtout sur de la 4K, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, c'est énorme. Avec ça, si mon appartement n'est pas sécurisé, je comprends pas les gars, parce qu'on a 4 caméras de surveillance, un serveur dédié aux vidéos, avec 2 Tera pour enregistrer tout ça, le tout en 4K et possibilité d'avoir de la vision nocturne, le tout avec des sirènes et un éclairage directement sur les caméras. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti pour l'unboxing. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je teste souvent des produits avant que vous les achetiez, en les ouvrant, en les testant et en donnant un avis. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça mange pas de pain comme on dit, et nous on se retrouve directement pour l'unboxing. Et bien les amis, voici le colis. Alors vous pouvez voir qu'il est assez gros et je peux vous dire également qu'il est assez lourd parce que ça pèse son poids les amis. Mais en même temps on a un serveur vidéo, 4 caméras de surveillance et probablement un disque dur de 2 Tera. Donc oui, ça pèse son poids et vous allez voir que ça a beaucoup d'avantages d'avoir ce genre d'appareil parce qu'en fait on aura le contrôle sur tout. Tout sera relié grâce à la technologie PoE, Power of Ethernet, c'est-à-dire que tout sera relié en Ethernet, tout sera interconnecté sans pour autant avoir besoin de la Wi-Fi partout. Parce que le problème avec les caméras de surveillance quand on demande la Wi-Fi, c'est que des fois forcément on capte pas le Wi-Fi, ce sera fait pour tout relier et je pense que ça va être un réel bonheur. Ça va être un bonheur parce que on aura le contrôle sur tout et puis on aura du coup un enregistrement continu 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas souvent avec les autres caméras de surveillance que j'ai pu ouvrir. Généralement ils proposent un service en plus de ça, donc c'est à dire que là on a le contrôle sur tout, si on veut enregistrer on enregistre, pas besoin de payer de supplément, voilà. Et le serveur juste ici, alors ça c'est assez impressionnant. Je n'ai jamais eu ça les amis. Écoutez, c'est typiquement ce qu'on mettrait dans un supermarché pour surveiller. Donc écoutez, je trouve ça assez dingue. Voilà, la quatrième caméra, on est plutôt bien. Je ne connaissais pas cette marque, donc je vais voir un petit peu comment ils gèrent un petit peu l'expérience client et la qualité des produits évidemment. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je ferai un débrief de est-ce que j'ai aimé ou pas le produit, est-ce que ça vaut le coup, pour qui ça vaudrait le coup et qu'est-ce que je vous recommanderais à la place. Donc écoutez, le serveur est juste ici. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort au niveau du décor, j'ai changé les lumières. J'ai mis des lumières vertes et une petite vidéo qui défile. Ne vous inquiétez pas, mon écran n'est pas cassé. Donc écoutez, on a déjà le serveur et maintenant je cherche le disque dur. Ok. D'accord, alors ça tue les gars. Les autocollants pour dire à tout le monde attention, tout est enregistré. Ça c'est plutôt classe et j'espère que c'est assez dissuasif. Alors ça c'est pour poser les caméras, c'est pour poser exactement au bon endroit et mettre les vis tout simplement. Un câble HDMI et les câbles Ethernet. Alors vous pouvez voir qu'il y a des sacrées bobines les gars et ça fait plaisir. Comme ça on pourra tout bien relier et on ne manquera sans doute pas de fil parce qu'avec une longueur pareille on est plutôt bien. Zossi est donc une marque spécialisée dans la sécurité. J'ai pu voir sur leur site internet qu'ils font beaucoup de ce genre de produits où est-ce qu'ils vendent des caméras de surveillance en PoE et des fois ils vendent jusqu'à plus de 10 caméras dans le même produit, donc autant vous dire qu'ils ciblent réellement les personnes qui veulent avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe chez eux. Et ça je le comprends totalement, pour habiter en zone rurale en temps normal avec mes parents, je peux vous garantir que c'est bien de toujours avoir un œil chez soi même quand on n'y est pas en fait. Alors la caméra la voici, évidemment l'axe est bien résistant, ça fait plaisir. Et on aura les flashs juste ici, voilà, donc ça fait plaisir. Alors effectivement ça en fait du matos, là on a l'alimentation, on dirait un chargeur de trottinette hein. On est clairement, oh il y a même une souris. On est clairement sur un chargeur de trottinette. Encore un câble Ethernet, je ne manquerai probablement jamais de câble Ethernet chez moi maintenant. La souris juste ici, ça fait plaisir. Au niveau de la protection du colis, c'est parfait. Parce que là, je commence à avoir une bonne pile de carton et de rembourrage, ça fait plaisir. Au moins, on est sûr que ça se cassera pas. Parce que quand on commande 4 caméras, on a envie que les 4 arrivent à destination. Une autre caméra, les amis. Ça devient n'importe quoi, cette chambre. Voici donc tout ce qu'on a eu, je ne sais pas s'il y a un disque dur à l'intérieur du serveur ou pas, j'en ai aucune idée. Il y a un disque dur, je le vois, parfait. Donc on sait qu'on a un disque dur à l'intérieur. Alors effectivement ça fait beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, les avantages de tout ça c'est qu'on aura un réel contrôle sur tout le réseau de caméras de surveillance. Et ça, ça fait plaisir comparé
aux autres caméras de surveillance, ou est-ce qu'ils proposent évidemment un software, un logiciel en ligne qui permettra d'avoir accès à tout, et pour enregistrer il faudra souvent payer, alors que là du coup on n'a pas besoin de payer vu qu'on a tout le matos chez soi et on pourra enregistrer du coup jusqu'à 2 téra de vidéos. Des fois je me pose la question, je me dis c'est quand même curieux, quand je suis pas chez moi des fois j'ai l'impression que, je sais pas, on sait jamais s'il y a des gens qui passent ou pas chez nous, on sait jamais s'il y a des gens qui s'arrêtent en voiture, et avoir le contrôle sur tout ça quand je suis pas chez moi, ça rassure énormément, et je pense que je serais très choqué de savoir ce qui se passe chez moi quand je suis pas là, enfin du moins dehors, à l'extérieur de chez moi. Là on n'a plus qu'à installer tout ça, évidemment là je vais l'installer un petit peu dans mon appartement, mais le mieux c'est l'installer en extérieur, donc je vais essayer de faire ça. Mais c'est quand même dingue ce que j'ai reçu. On est sur un prix de 439€ sur Amazon, et il faut savoir que tout ça on pourra le connecter via une application également, et on pourra du coup recevoir des notifications quand il y a une détection humaine, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui va reconnaître les mouvements humains, et on aura également une sirène intelligente et des éclairages intelligents. Donc ce sont les éclairages qui sont juste ici qui pourront faire peur aux gens durant l'alarme quand elle est allumée, ou juste éclairer ce qui se passe, même si il y a le mode infrarouge, enfin du moins la caméra vision nocturne, et ça c'est incroyable. Écoutez, je suis vachement content, maintenant on va faire une petite cinématique et on se retrouve pour l'installation de tout ça. Alors on est donc parti pour la cinématique du système de caméras de sécurité de chez Zossi. On a du coup 4 caméras en 4K, à savoir 8 mégapixels, le tout relié grâce à un serveur qui comporte 2 teraoctets. Le tout utilise la technologie PoE, Power of Ethernet, ce qui consiste à alimenter les caméras grâce à l'Ethernet, mais également à faire circuler les informations par câble Ethernet. On peut avoir un accès à distance grâce à l'application, mais également recevoir des notifications grâce à la détection de mouvements humains. On peut avoir un enregistrement continu sur le disque dur de 2 teraoctets. Les caméras comportent une vision nocturne, ont la possibilité d'avoir un éclairage et une sirène dès qu'il y a une détection d'humains. Il y a un audio bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer la personne qui est filmée, mais également on peut parler à la personne qui est filmée. Le tout est weatherproof, c'est-à-dire que ça résiste à la pluie. Le tout pour 439$. Bon, maintenant on va tester tout ça et vous allez voir que j'ai été très surpris. Et bien voilà les amis, donc je suis en train d'installer tout ça, et comme vous pouvez voir derrière moi sur cet écran, il y a du coup les 4 différentes caméras. Ce qui est cool, c'est qu'on a un retour directement en HDMI sur l'écran qu'on veut. En l'occurrence, c'est la télé juste derrière moi qui affiche normalement des petites vidéos. J'ai compris pourquoi ils m'ont offert une souris, parce qu'on pourra directement se brancher sur le serveur et on pourra directement contrôler les choses sur le serveur. Et comme vous pouvez voir, je peux directement, bah voilà, moi je suis détecté exactement grâce au carré vert que je vois autour de moi. Quand je regarde un petit peu la caméra, voilà, là c'est détecté. Donc c'est ça l'intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter des humains. On peut voir qu'il y a une très bonne définition de tout ça. Voilà, donc là je suis dans la salle de bain. On peut voir tous les détails, je le vois surtout ici qu'il y a beaucoup de détails. Et ça, ça fait plaisir, ça fait vachement plaisir. D'accord, donc là on a du coup l'enregistrement, la vidéo playback, ce qui s'est passé. Et pour revenir en arrière, donc c'est super bien foutu. Donc là on peut voir tous les mouvements, alors ça c'est dingue. Donc mouvement, 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 et mouvement avec un humain, juste ici, d'accord. Et ici on est sur mon toit, alors on va essayer de zoomer un petit peu. On va voir les tuiles, voilà. Donc c'est vachement bien détaillé, on peut voir énormément de choses. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça s'utilise, et on peut voir directement que même sans l'application pour le moment, on a pas mal de choses à faire avec directement juste la souris sur l'écran. Et ça a été très simple à faire en plug and play, et comme je vous le répète, l'avantage du PoE, du Power of Ethernet, c'est que du coup la caméra sera reliée en Ethernet, mais aussi alimentée en Ethernet. C'est-à-dire que l'image et l'alimentation passeront par le câble Ethernet. Je ne savais même pas que c'était possible. Voilà, donc là on voit tous les détails. Là, il n'y a aucun doute sur ça. Même si je suis pas entièrement dans le cadre, ça détecte plutôt pas mal. Et ça, ça fait plaisir. Alors j'ai un petit peu peur de mettre l'alarme les gars, mais on va le faire, on va tester l'alarme. Donc là on a tous les paramètres de l'alarme. Bon, ça va, ça fait pas un bruit énorme. Par contre, on voit que je suis éclairé, et on a du coup clairement un signalement comme quoi il y a quelqu'un. Et évidemment il y a l'audio, hein. J'ai juste désactivé ici. On va m'entendre parler évidemment. Et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que bah voilà, on pourra du coup entendre ce qui se passe et nous-mêmes parler. Voilà, typiquement on peut tout modifier. Ça c'est pas mal. Maintenant ce qui est intéressant les amis, c'est de voir comment ça se passe sur téléphone avec l'application. Et bien les amis, alors j'ai installé tout ça, je suis actuellement chez mes parents pour pouvoir vous montrer de l'extérieur comment ça rend. Et voilà ce qu'on a. On a du coup les différentes vidéos, les 4 vidéos, caméras je veux dire pardon, installées dehors. On va pouvoir regarder un petit peu la qualité, voir comment c'est. J'en ai mis une qui vise le ciel et les autres sont sur la terre ferme, où est-ce que je suis en train de démonter ma piscine. Voilà, du coup on a toutes les options que je vous ai déjà montrées. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'application
l'application, qu'est-ce qu'on a sur l'application? Et bah écoutez les amis, on a des choses assez similaires. Voilà, sur l'application on retrouve du coup les 4 vidéos et on pourra aussi parler, et ça va être très intéressant les amis. Voilà, par exemple en cliquant sur la vidéo on pourra avoir accès à tout ça et on pourra même changer la qualité. Regardez, on va juste faire tac, hop, HD, et là on va être en HD, en 4K comme ils aiment bien le vendre sur leur packaging. Là c'est en 4K et je le vois complètement, la qualité est dingue et on pourra voir tous les détails, ce qui est très important pour des caméras de surveillance. Et on peut voir qu'on a un espèce de grand angle parce que sur le côté c'est un petit peu déformé pour avoir un petit peu plus d'angle et voir tout ce qui se passe. Bon écoutez, maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre dehors et je vais essayer de voir la détection à quel moment elle se fait. Alors les amis, là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement activer l'alarme sonore et lumineuse. On est sur la caméra 2, donc on va cliquer ici, je l'ai activé, on va tester dehors, voir si ça fonctionne bien. Ok les amis, donc là on va voir la détection, je vais faire le tour et on va voir jusqu'à où ça me détecte. Je fais le tour. Ok, ça m'a déjà détecté je crois. Est-ce que ça m'a détecté? D'accord, ok. Voilà, ça sonne. D'accord. Donc ça me détecte d'assez loin quand même. Et ça c'est bien. Ouais, ça me détecte même de là. Ok, ça détecte super bien. Ça détecte super bien. On peut voir que même quand je suis de loin, ça me détecte. Ça, c'est assez incroyable. Alors écoutez, j'ai quand même réussi à parler à la caméra et c'est plutôt pas mal. On a quand même une bonne luminosité qui est gérée et ça, ça fait plaisir. Je suis quand même à l'ombre, mais on a quand même de belles couleurs. Il y a le soleil derrière moi, c'est plutôt pas mal. Ça me détecte de super loin. Ça, il n'y a rien à dire. J'aimerais vous montrer l'application, donc on a pas mal de petites choses et on va pouvoir remonter en arrière avec la relecture. On a pas mal de choses intéressantes. Voilà, là on peut relire les événements passés. Voilà, donc là l'autre coup j'ai utilisé et j'ai bougé devant. Voilà, ça a enregistré, donc c'est plutôt pas mal. On a une possibilité de relecture et ça, ça fait plaisir. On va pouvoir prendre en vidéo en appuyant juste ici. Là je suis en train de record et on peut enregistrer la vidéo qu'on retrouvera un petit peu plus tard. On peut également faire des screenshots en appuyant ici. Voilà, là j'ai fait des screenshots, c'est plutôt pas mal. Ce sont mes médias, donc les médias c'est un petit peu ce que j'ai filmé. Voilà, là j'ai accès à tout ça, ça fait plaisir. J'ai accès directement à tout ça. Les vidéos sont ici, donc voilà, ça fait plaisir. On a tout ce qu'il faut. On a des notifications de détection de mouvement et également détection intelligente, donc c'est-à-dire détection humaine et notification du système. Donc écoutez, on retrouve les notifications là et un petit peu voilà les clips. Ça c'est un très bon point. Tout à droite on a la boutique de chez Zossi, juste ici. Donc voilà, si on veut avoir un petit peu d'actualité, mais là c'est plus de la pub pour eux que réellement pour l'utilité du produit. Et voici tous les paramètres qu'on a dans l'application pour pouvoir gérer tout ça. On pourra par exemple activer l'alarme sonore ou la désactiver, transfert d'appareil, etc. Notification push. Voilà, on a tout ça. Maintenant on passe à la night vision. Et bien donc là on teste la vision nocturne. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça bien foutu parce qu'actuellement je vois rien à part 3 petites lumières. Il n'y a aucune lumière, j'ai éteint l'écran, j'ai pas mon téléphone et vous allez avoir du coup la meilleure qualité possible pour pouvoir voir comment ça rend dans le noir. Et c'est plutôt pas mal. Là j'ai pas juste pris la caméra pour filmer une télé, là j'ai carrément enregistré sur mon iPhone. Donc écoutez, je pense qu'en night vision on est très bien. Et bien heureux, alors là j'ai activé les lumières directement sur la caméra. Alors ils appellent ça la vision nocturne en couleur. Bon écoutez, en vrai c'est une lumière, c'est un gros flash, ça éclaire toute la nuit. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je trouve que l'alarme déjà fait bien son taf dès que ça éclaire et au moins bah voilà. Là on voit directement qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas on a de très belles couleurs. On peut voir que les couleurs sont incroyablement belles et que on voit tous les détails. Et ça, ça fait plaisir. Donc écoutez, pour moi, c'est validé, les lumières ici, et voilà. Et bien les amis, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce système de caméra de surveillance? L'avantage concret que j'y vois, c'est qu'on a du coup le serveur à disposition, on a un extrême bon plug and play, c'est-à-dire qu'on a juste à tout brancher et ça fonctionne. Évidemment, pour connecter l'application, c'est pas directement fait, il faut télécharger l'application, lier l'appareil, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut, on peut utiliser directement tout ça. La chose aussi intéressante, c'est le stockage.
stockage, on a 2 Tera de stockage, on en fait ce qu'on veut, pas besoin de payer un supplément d'abonnement ou quoi, là on paye rien du tout, on paye juste le disque dur et c'est parfait. On peut revenir en arrière sur les clips qui ont été enregistrés, on a des notifications quand il y a quelque chose qui bouge, que ce soit un humain ou un mouvement, ça c'est plutôt pas mal. Le système PoE est très intéressant parce qu'il est alimenté en fait directement via l'Ethernet, je ne savais même pas que c'était possible, mais en fait voilà, votre caméra, vous avez juste à brancher l'Ethernet et ça sera alimenté et les données circuleront, ce qui est très appréciable. Le tout du coup avec une grande résolution, on est sur du coup de la 4K et on va pouvoir s'en apercevoir au moment où est-ce qu'on va regarder les images. Elles sont toutes belles, toutes bien détaillées et avec de bonnes couleurs. La Night Vision est bien foutue. La seule chose que je pourrais reprocher à la Night Vision, c'est que ça switch un petit peu des fois aléatoirement. Je pense que c'est au niveau des LED qui sont au-dessus des caméras, parce que dans la nuit il y a des LED et je pense que la caméra se dit il y a de la lumière, pas besoin d'avoir la Night Vision, du coup ça switch, etc. etc. C'est la seule chose que je pourrais y reprocher, mais sinon la qualité au top évidemment. L'application est très utile. Si vous êtes intéressé par ce genre de produit, c'est sans doute que vous avez une grande propriété à protéger ou un commerce à protéger, et je pense que ce produit est la solution qu'il vous faut si vous voulez couvrir un angle extrêmement grand sans trop vous prendre la tête. Je vous laisse aller voir, le lien du produit se trouve en description, la boutique de chez Zossi également. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, je fais souvent des tests tech. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis en tout cas, nous nous retrouvons à la prochaine pour une nouvelle vidéo.